Et bonsoir. Hop, on va baisser un petit peu la mosex. Comment ça va? Ouh, moi je suis un peu mort, fatigué. Ah, j'ai commencé à coder ce qu'on va voir hier, j'ai fini à 1h30 du mat. J'ai fait ouh, ça va être dur demain. Surtout que je vais voir Top Gun genre à 21h là. Pff, si je dors pas pendant le film, ça va être extraordinaire. Mais bon, comme du coup comme disait sur Discord, là j'ai vu le dernier épisode. Ouf, gérer de l'IA tout en code sans qu'il y ait de visuel, c'est vrai que c'est pas pratique pour tester ou autre. Donc faire un peu de custom editor, ça va être assez beaucoup de code. Un peu plus compliqué que d'habitude. Oh, mais bon. Enfin, plus compliqué. Disons que c'est plus de code à écrire, mais je sais plus ce qu'il faut faire, donc ça va. Attends que Unity se lance gentiment. Mais c'est sympa, j'ai trouvé. J'ai retrouvé un gars qui montre un peu comment on fait et ça a l'air de pas trop mal s'étendre. Ce qui est un. Oh. Voilà. J'ai eu un petit bug. Ah lol, bon bah. Mon code fait que ça fait crasher Unity. Lol. Hop là, on a un magnifique. Ah, un peu chiant. Alors. Bon, j'allais extraire ça à la main. Chercher ça. Ah, j'avais. Ouais, hier, il me semble que. J'avais 2-3 soucis. Quand j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Quand j'ai. Je suis allé dormir. Et je pense que c'était plus grave que prévu. Trop de projets. Où est-ce qu'il est, lui? Il est là. Je l'ai mal nommé en plus. Comme ça, c'est pratique. Et puis sûrement, je suis tombé sur un truc que je connaissais pas, donc on va peut-être apprendre un nouveau truc aujourd'hui. Apparemment, ça semble assez récent, une nouvelle façon de faire de la UI pour l'éditeur, ça a l'air plutôt sympathique. Théon, une nouvelle fois. Ne recompile pas du coup, ça c'est normal. Ouais, c'est bon, c'était bien ça. Hop là, pay to load Windows layout. Hop. Ok, boum, nous revoilà. Nous revoili, revoilà. Hop, toujours nos petits messieurs. Joli, mais on va pas vraiment beaucoup voir ça aujourd'hui. Hop. Et range.
ranger ses affaires. Hop. Hop. Tac. Hop là. Ah, faudrait que je passe à Visual Studio 2022, tiens. Hop, c'est ça qui fait tout péter. Donc on va l'enlever. Tac 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 tac. Régi. Hop. Hop. Hop là. Donc pour expliquer un petit peu ce que j'étais en train de faire. Donc comme on disait là, faire de l'IA et faire un behavior tree, c'est super sympa, mais en vrai, en termes de production, s'il n'y a pas un tool pour supporter ça, on a vu comme l'animation, Unity nous file un super animateur, hop, tac tac, où est-ce qu'il est animation, animator, voilà. C'est à peu près ça en fait, ce que j'ai envie de faire. Voilà, on aurait une liste, la liste des nodes, et on pourrait faire des affaires à droite à gauche. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on peut créer nos trucs à nous. Donc là dans Windows, j'ai commencé Node-based Editor. Hop, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais ce serait notre custom Windows à nous. Elle s'appelle pas Behavior Tree Editor ou rien, parce que là pour l'instant je construisais vraiment un framework. Parce que, comment dire, des éditeurs avec des nœuds, je vois, j'en avais fait un pour des dialogues, pour faire des dialogues ou de la narration à branches. Petit projet que j'avais avec Maxime à l'époque. Tu peux l'utiliser pour faire des quests, tu peux l'utiliser, enfin bref. Là on a vu de l'animation, donc au final je voulais vraiment créer du code qui est pas lié à qu'est-ce qu'on veut montrer derrière, mais juste vraiment un code de base, un framework pour faire n'importe quel autre, après ça éditeur avec des nœuds. Donc pour l'instant j'en étais à un seul grand panel, et hop, comme vous pouvez voir, je peux créer des nodes. Normalement je peux bouger le panel. Hop, et je peux bouger mes nodes. Donc tout ça, comme dit, j'ai dû le coder à la mano grâce à un magnifique tuto très très straightforward, hein, rien de bien compliqué. Mais par exemple, voilà, comment ça s'affiche, je suis vraiment allé moi y recalculer un peu comment. C'est moi qui dessine la boîte de derrière, les boîtes du dessus, donc c'est vraiment genre là j'utilise pas grand chose, on va dire, de tout fait. Là, faut... donc par exemple. Ce qui pourrait être intéressant là, c'est de créer des connexions, voir un peu, et puis voir comment derrière on peut faire notre behavior tree. Pour info, hop, par exemple, Unreal Engine a déjà tout ça. Et je vais montrer un peu la tête que ça. Voilà, dans Unreal Engine, poète. Il y a, hop, ils ont un tool comme on va faire. Qui est, voilà, ça nous permet de voir, bah voilà mon route. Hop, et dessous, je veux coller mes fameuses conditions, ce sera beaucoup plus pratique, ce sera nickel, quoi. Et puis pareil, ce qui sera bien, c'est qu'on pourrait avoir la fenêtre sur le côté, et j'ose espérer voir faire un petit debug. En mode, tu le regarderas tourner, et tu verras où il est bloqué. Très très pratique, enfin, comment dire ça, pour faire les tools. C'est comme on dit souvent, beaucoup de temps passé que le joueur, entre guillemets, ne voit pas ou n'a pas directement l'utilité, mais indispensable en tant que créateur de jeu pour justement pouvoir faire quelque chose qui marche. Et on m'envoie des messages. Parfait. Alors, tac tac tac, donc on dit au revoir à Unreal, on revient là. Follow my lead. Oh, oula. Dimitri Maxi Mov Galara, ça c'est du nom.
Faut que je fixe mes, mes notifs, elles sont beaucoup trop grandes, je ne sais pas pourquoi. Mais écoute, bienvenue. J'espère que tu aimes les Unity et les éditeurs. Parce qu'on va faire ça aujourd'hui. Alors, je vais un peu revenir sur la base pour voir où on en est. Et puis, on va pouvoir un peu aller au-delà. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de récupérer ce qui crachait là. Parce que à 1h du matin, j'essaie de faire ça à l'arrache. C'était le fameux la grille, parce que là on voit qu'il n'y a pas de grille, c'est un peu, il n'y a pas de repère visuel, donc c'est un peu embêtant, donc je voulais mettre une grille. Bref, donc pour ça, hop, allons dans le code. Où est-ce qu'il est déjà? View, c'est dans les view, je vais mon solution, hop, je le veux à gauche par contre, tac, ah oui, mais, je l'ai pas loadé, hop, à partir de Unity. Voilà. Alors, boum. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai fait un nouveau petit package que j'ai appelé Engine, que du coup, j'appelle ça Node Editor Framework. Après, il y aura un autre package qui sera spécifiquement Behavior Node Editor. Ou AI Node Editor, on verra comment on l'appelle. Bref. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a déjà pas mal de petites classes. J'ai essayé justement de bien séparer les... comment dire? Les comportements, parce que très vite... Il y a quand même beaucoup de code, et on va dire tu peux très vite faire un truc immense. Donc j'ai essayé de découper ça vraiment avec des responsabilités pas trop mauvaises. La partie principale. Alors, ce serait celle-là. Le Node-Based Editor. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre en tant que telle. On voit que ça hérite de... Alors, en vrai, pour l'instant, je vais rester comme ça. Editor Window, ça, c'est du Unity. Hop, voilà, boum, 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 plein de trucs. Le truc de base pour avoir une fenêtre. Donc, pour avoir sa fenêtre, Unity nous demande ça. Une fonction Open Window qui est statique, qui va nous donner, bah, voilà, on lui donne le titre de notre fenêtre. On l'a... Je vais arriver. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça, sûrement que... Ouais, ça disparaîtra à terme sûrement avec les dans les implémentations, parce qu'au final on veut pas une window vide, mais pour les tests on en veut une pour l'instant. Bref, create, GUI, ça, pas besoin d'en parler parce que c'est ce que j'étais en train de faire pour la grille. Et donc voilà les fonctions intéressantes qu'on a. Pas trop fort la musique là, je vais baisser un peu de mon banc. Tac. On va pas mal discuter peut-être. Tac, tac, tac. Ok. Donc OnGUI, OnGUI pareil c'est du Unity, c'est appelé à chaque fois que justement, à chaque fois que l'éditeur a besoin d'afficher une window, il va appeler OnGUI, et donc c'est là où on doit tout dessiner. On reste avec le paradigme de l'immédiate GUI, donc c'est, on décrit exactement comment on dessine la UI en même temps que son comportement. Et à chaque call, boum, on redessine. Donc voilà, qu'est-ce que je fais là-dedans? En premier, eh bien, je vais dessiner les nœuds. Si justement avant, là, il y aura un de ces quatre, je vais dessiner la grille. Pour l'instant, je n'ai pas la grille. Et puis sûrement que pour l'instant, toute la fenêtre, c'est l'éditeur. Comme on a vu pour l'animation, sûrement que je vais la splitter en deux pour avoir... comment dire, des choses à droite, à gauche. Pour l'instant, on a juste le grand éditeur. Donc, on dessine les nœuds. On va regarder s'il y a des événements. Donc, c'est quoi les événements? C'est tout ce qui est clic de souris. On va envoyer cet événement-là au nœud. Parce que si on clique sur... Comment on gère en général les events sur de la UI comme ça? Enfin, sur de la UI. Quand tu vas cliquer, vu qu'il y a plein d'éléments superposés, tu prends le plus haut, si je puis dire, c'est une représentation de l'esprit, mais tu vas prendre l'élément enfant le plus petit, si je puis dire. Donc, parce qu'en général, la fenêtre, c'est un grand élément qui contient d'autres trucs, qui contient encore d'autres trucs. Et en général, le bouton, par exemple, c'est un élément enfant que j'appellerais petit, parce que c'est vraiment la finalité. Au-delà de ça, du bouton, il n'y a rien dans un bouton. Bref. Donc, on va regarder l'event qui est en train d'être fait. Et on va le donner aux enfants, donc pour dire, bah, est-ce qu'on a cliqué sur quelqu'un? Si oui, bah, il va sûrement faire quelque chose. Si aucun enfant, donc en gros, dans notre cas, si aucun nœud
ne récupère l'event. Donc si on n'a pas cliqué sur un nœud, on n'a pas essayé de créer une transition ou rien. Hop, bah on va regarder si l'event nous est utile du côté de la fenêtre en tant que telle. On voit ça, c'est du Unity aussi, mais il y a un booléen là dans GUI qu'on peut modifier pour dire, ah ok, est-ce que quelque chose a bougé? Par exemple, est-ce qu'on a bougé un nœud? Si oui, change, bah, repaint, redessine-moi tout ça, parce que si en vrai rien ne se passe, si tu cliques pas, ça sert à rien d'à chaque fois repeindre, tu laisses ça comme ça, et voilà. Donc pour dessiner les nœuds, c'est assez rapide. Tiens, bah, je vais réorganiser un peu le code en même temps. Hop. Dessiner les nœuds, bah, c'est juste, voilà, je passe, comme on voit dans notre classe, j'ai une liste de nœuds, tout bêtement. Je passe dans la liste de nœuds et j'appelle draw dessus. On verra après du coup ce qui est fait plus loin. Parce que pareil là, en termes de responsabilité, la fenêtre a pas à savoir comment un nœud se dessine. Donc je vais pas mettre tout mon code de comment je dessine mes boîtes et tout ici. C'est pas son rôle. Elle veut juste dire, moi je veux que les nœuds se dessinent. Boum, j'appelle dessiner sur les nœuds. Parfait. Après, hop, est-ce que les events vont être récupérés? Pareil, on va regarder tous les nœuds. D'ailleurs, c'est rigolo qu'on en fait... Ah oui, il le fait backward. Intéressant. Sûrement, si t'as un nœud qui s'enlève... Ah, c'est pour faire le plus... Non, oui. Ok, oui, c'est normal. Pourquoi là, on parcourt le tableau à l'envers, enfin, de la fin vers le devant? C'est que justement, vu qu'on va peindre du premier au dernier, et ben, quand il y a, par exemple, deux nœuds qui vont être l'un sur l'autre, hop, comme on voit si je fais ça, là, on voit l'ordre dans lequel j'ai créé les widgets. Il n'y a aucun moyen que celui-là, par exemple, je le repasse devant. Parce que dans la liste, ils sont 1, 2, 3, 4. Donc, j'en dessine un. Après, j'en dessine un deuxième qui bah, marche sur l'autre. Voilà, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les events, tu veux toujours le checker les events dans l'autre sens. Parce que c'est lui qui, du coup, est sur le devant qui doit récupérer les events. Comme on dit, quand je clique ici, là, eh ben, je ne veux pas que ce soit lui, en fait, qui le récupère et qui se bouge. Donc, c'est vraiment voilà, une question d'ordre. C'est pour ça qu'on le fait à l'envers. Et donc voilà, je regarde, je donne au nœud. Est-ce que cet event t'en a besoin? Lui va me répondre. Est-ce que le fait que j'ai process l'event fait changer la GUI? Si oui, boum, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et si rien ne se fait, hop, là, justement, bah là, on voit qu'il y a de la logique. Parce que là, c'est la logique de notre fenêtre. Donc c'est pour ça qu'elle doit être là. Là, ici, j'ai pas à savoir ce que les nœuds veulent faire. C'est pas mon job. Là, par contre, process event, ce qui arrive juste après, c'est vraiment nous en tant que. En tant que UI, qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus? Et donc pour l'instant, j'ai implémenté bah, très simple, juste si tu cliques droit, parce que le bouton 1 c'est clic droit, bouton 0 c'est clic gauche. Si je clique droit, je veux que tu m'ouvres un contexte menu, comme on a pu voir ce petit contexte menu add node. Hop, voilà. Si je mousse up, alors on verra, c'est pour ce que j'appelle le panning, c'est ça, c'est le fait de bouger tout le monde. Et pareil, mousse drag, c'est l'event, justement, bah, dès que la souris bouge au-dessus de cet élément du UI, cet événement est fait. Donc je dois savoir, est-ce que j'ai cliqué avant? Si oui, bah, ça veut dire que comment dire, c'est tant que je maintiens que je peux bouger, bien sûr. Et donc quand je relâche, hop, ça le fait pas. C'est vraiment au clic que ça le fait. Bref, donc c'est là où c'est géré. Quand ça bouge, si c'est le bouton de gauche qui est enfoncé et que avant bah, j'ai eu un mousse, un meltdown sur le bouton 0, hop, je suis en panning mode. Patati, patata. Voilà, donc si on veut rajouter du comportement à la fenêtre en tant que telle, ce sera ici qu'on le fait. Hop. Et comme on peut voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, 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 repaint. Après, pan. Donc pan, c'est bah, pour faire le panning, en fait. Comment ça marche quand je bouge la souris? C'est juste, tout bêtement, je fais bouger tous les enfants, en fait. Comment dire? C'est aussi simple que ça. Sûrement peut-être que ça changera avec le fameux graphe. Je vais voir comment le graphe il est géré. Parce que pour l'instant, on a vraiment fait ça à l'ancienne. Hein. C'est moi qui fais mes éléments et je les gère. Ce que je commençais à investiguer hier, c'est apparemment il y a déjà des trucs Unity, la fameuse Graph View qui plantait, pourrait déjà peut-être nous offrir pas mal de fonctionnalités qu'on n'aurait pas à refaire, ce qui serait pas plus mal. Parce que comme souvent, on va dire, ça a l'air tout bête quand on regarde un tool comme ça, mais en vrai, il y a plein de petits détails et de features qu'il faut avoir. Par exemple, si est-ce qu'on veut que quand on fait un coup de roulette, on zoome, on dézoome? Alors là, zoom, dézoomer, il faut gérer un facteur de zoom. Donc, faut réécrire le texte, faut changer la taille des textes, faut changer toutes les tailles. Bref, il y a plein d'affaires. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse pas pas superposer les choses, parce que je trouve que ça fait pas vraiment de sens de superposer les nœuds. Ça va vite être le...
Faudrait que je regarde si dans Unreal on peut superposer les nœuds, je ne suis pas sûr. J'aimerais aussi que ça snap un peu sur une grille comme ça, tu sais, le tree n'est pas dégueulasse, tout serait un peu, comment dire, ordonné, propre, enfin bref. Plein de fonctionnalités qu'on peut rajouter, comme d'habitude, fonctionnalités c'est juste du temps et du dev. Hop, voili voilà. Donc c'est pour ça que même sur ce sujet-là, on a plusieurs petites pistes qu'on peut explorer. Process context menu, voilà, juste du Unity pour lui dire crée-moi un petit menu et quand tu cliques là-dessus, hop, fais-moi voilà, unclick add node, machin. On pourra rajouter d'autres affaires. Il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la base de l'éditeur en tant que tel. Comme on a pu voir, on a un éditeur, mais il nous faut des nœuds. Boum. Donc, oh, on va fermer tout ça. Je vais mettre là, finalement. Tac. Hop, donc vu qu'on a des nœuds, voilà, donc très simple. D'ailleurs, je me demande... Alors oui, j'ai un peu séparé la logique, parce que je voulais séparer de la logique du nœud, en termes logique, parce que... comment dire, comment expliquer ça ? Comme souvent en logiciel, hein, entre ce qu'on voit à l'écran et après ce qui est utile dans la logique, c'est bien de le séparer, que la façon dont on dessine les choses ne soit pas directement liée à ce qu'elles représentent derrière. Parce que, nous, bah, par exemple, nous, le behavior tree, il n'y a pas de représentation dessinée, mais le behavior tree existe quand même tout en code. Donc garder un peu cette distinction. Donc là, cette classe editor node, elle hérite vraiment de rien, ce n'est pas une UI particulière. C'est vraiment le nœud en termes de logique qui sera du coup lié avec... c'est lui qui aura... comment dire, qui va stocker, par exemple, le type de AI action, par exemple, qu'on va faire si on va aller dans l'exemple du behavior tree. Donc voilà, je voulais pas trop mixer parce que surtout, c'est que dessiner, vu qu'on va voir dessiner, je le fais vraiment custom, ça prend vite beaucoup de lignes. Donc je voulais vraiment pas avoir une classe géante, donc j'ai coupé ça comme ça. Et c'est pour ça que première chose que ce nœud il fait, ce nœud logique donc, il a un editor node factory widget. Alors pourquoi ça point quelque chose, c'est que j'ai fait une classe, ce qu'on appelle une nested class, c'est une classe dans une classe. Justement parce que widget c'est générique, mais c'est vraiment la classe widget de cette classe là, on va voir la tête que ça a. Ça c'est la partie vraiment graphique. Le widget c'est pour moi c'est la UI de ce truc là, donc le nœud logique a sa représentation en UI, et a des choses pour sa logique à lui. Quoi. Il y a 2-3 petites fonctions, mais on voit que, par exemple, c'est beaucoup de fonctions graphiques, hein, parce que cette position, en vrai, dans le jeu en tant que tel, ça, on s'en fout. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment que le graphique doit être update. Drag, pareil. Draw, pareil. Quand je veux draw, c'est quoi ? Bah, je veux draw ma représentation, donc mon widget. Par contre, là, on récupère la logique. Quand même, alors c'est vrai que c'est de la logique... C'est vrai que je me dis, ça, c'est de la logique qui pourrait être récupérée dans le... Parce que là, on voit que j'utilise le widget. Donc, il pourrait y avoir une partie là-dedans qui est gérée dans le widget en tant que tel. Mais il y aura quand même de la logique. C'est du moment que tu vas connecter des affaires. Là, c'est de la logique qui va intervenir. Et pas juste graphiquement, c'est joli de faire une belle connexion. Bref. Hop. Donc voilà, et les deux trucs qui sont peut-être un peu obscurs, c'est ce que j'appelle la factory, le node styles. Alors factory, c'est un design pattern de programmation. C'est quand tu fais... Oh, j'essaie de trouver la vraie design pattern, factory, définition. Genre le beau phrasé pour l'expliquer, mais en gros c'est une classe qui a pour rôle de savoir comment construire des objets. Le principe de tu as factory, fabrique. Donc hop... l'avoir en français, ce serait plus sympa. Français. Comment il dit ça en français ? La fabrique, patron de conception créationnelle utilisé en programmation orientée objet, permet d'instancier des objets dont le type est dérivé d'un type abstrait. Oui, ça aussi c'est pratique, c'est que lui par exemple, notre éditeur, il pourra dire tiens, fais-moi un node de type, on a vu toutes nos actions différentes, là on va avoir plein d'actions différentes, donc sûrement qu'ils vont s'afficher différemment. Donc il dit tiens construis-moi un node de ce type là, il n'a pas à savoir comment le construire, c'est vraiment là-dedans que lui va savoir ok tu veux un nœud comme ça donc je sais moi comment le construire et toujours pour essayer de garder
des responsabilités assez claires partout, quoi. Hop, donc comme on peut voir, ce que je disais, au final, là, la majorité du code, c'est dans cette fameuse classe widget qui est interne à la classe EditorNogFactory. Donc la factory, elle sait comment créer les représentations graphiques de ces choses-là. Parce que, voilà, pour l'instant, un truc très simple, parce que j'ai pas encore différents types de nodes, mais c'est, tiens, j'ai besoin d'un node, donc je sais qu'un node, c'est quoi ? C'est un node, ok, mais un node, il a besoin de ça, donc lui, il sait comment créer des nodes. Ça permet de centraliser, voilà, si demain je change comment mon node est fait, j'ai pas à aller à tous les endroits où j'ai eu besoin de créer un node pour me le rechanger, voilà, c'est toujours un peu interfacé. Donc rien de bien fou, c'est le widget, comme je dis, qui est un peu plus gros, comme on peut voir, il y a plus de... Et comme souvent en UI, c'est pas du code compliqué, hein, c'est juste beaucoup de code, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Donc on voit qu'un widget, c'est quoi ? 3 rects, donc rect, c'est juste une zone, hein, c'est un rectangle. Le premier rect... J'aurais dû peut-être l'appeler background rect, c'est vraiment genre le nœud en entier. Comme on peut voir, on va l'utiliser dans la fonction contain pour checker est-ce que la souris est au-dessus de ce widget. S'il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il est, il fait partie de ce fameux rectangle-là. Le title rect, hop, on va mettre à côté, tac, c'est le bleu, c'est la boîte que j'utilise pour faire le titre. Et le body, ça va être là où il y a le body, hein, bien sûr. On a des styles, ça c'est du Unity, puisque voilà, je veux cette couleur, je veux ce truc-là, cette distance et compagnie. Et là, j'ai réimplémenté toutes les fameuses fonctions que nos logiques utilisaient. Donc tiens, quand j'update ma position, qu'est-ce que ça veut dire ? En termes graphiques, ça veut dire qu'il faut que je bouge les 3 boîtes, tac, 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 et qu'elles respectent toujours, certes, la position absolue, genre elle est là, mais du coup, je sais que cette boîte-là, elle est... offseté de temps par rapport à la position, bref, tout ce qui se passe. Translate, c'est pareil. Contain, contain, comment je sais que je suis dedans ou pas ? Je sais que le widget, il a juste à checker ça. Et voilà, comment je draw ? Et là, on voit que j'ai commencé déjà à faire plein de trucs, parce que selon le... Je voulais m'amuser un peu, créer un espèce de système d'état, de state, selon si tu es sélectionné, par exemple, tu serais... Je vais le montrer, hop. Essayer de mettre ça à côté pour les voir les deux. J'ai ça. C'est dans quoi ? Tiki tiki tiki. Où est-ce que... Dans Editor peut-être, je présume draw. Voilà, draw normal, parfait. Hop, auto hide. Par exemple, si je fais selected, j'ai tiens, fais-moi en sorte que tu me le draw sélectionné et on va voir. J'ai défini un petit truc, voilà. Si je dis, j'aimerais bien montrer que mon nœud, il est dessiné avec une erreur. Hop, voilà, il est rouge. Bon, des petites affaires comme ça, on verra. On va avec ça. Voilà. Tac, je reviens dans la factory. Mais donc, voilà, rien de... Ça a l'air impressionnant, mais c'est juste tous les cas différents. Voilà, j'ai fait plein de trucs normal, sélectionné, bloqué, avec une erreur, avec un warning, avec validé, avec running, bref, plein de... Ah, un petit peu, j'avoue que la journée a été dure. Couché une heure et demie du mat, levé tôt. Elle est pas finie en plus. Je vais me coucher encore à 1h du mat, ça va être un gros samedi matin, je sens. Alors, tac, tac, tac. Voilà à peu près. Ah oui, et le dernier, c'est le styles. Qu'est-ce que c'est le styles ? Là, pareil, c'est juste plein de codes qui servent juste en fait à définir. Quelle est l'image que je veux dans le fond ? On verra par exemple, elle est bleue celle-là parce que j'utilise la 1, si j'utilisais par exemple la 2, vous allez voir, hop, ça va pas être la même couleur. Donc voilà, beaucoup de code pour pas grand-chose. Rien de compliqué, juste beaucoup de code parce qu'il faut beaucoup de code. Hop. Donc je définis un peu tous mes styles, mes fameux états possibles. Pour vraiment pas définir le style là où je l'utilise parce que voilà, si j'ai... Comme je dis, le body style, je veux mettre une certaine cohérence. Donc si à un moment j'ai envie de changer la tête de tous les bodies de mes différents trucs de UI, je vais pas m'amuser à aller dans toutes les classes de UI et dire « Ah mince, faut que je les change. » Je changerai ici, tout le monde tape dedans, donc c'est nickel. Ah, c'est un joli vert ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est que cette partie-là d'Unity, là on sort un peu du truc grand public que tout le monde utilise pour faire des jeux, donc c'est beaucoup moins documenté. C'est un peu plus YOLO. Donc un peu plus compliqué, mais bon. Allez, trouver des infos surtout. Genre, me demandez pas pourquoi c'est ça. C'est, j'ai trouvé un gars sur internet qui a dit que c'était comme ça. J'ai essayé de chercher un endroit où Unity disait « Ah oui, le 1, le 2, le 3, c'est ci, c'est ça. » Rien trouvé.
Donc faut un peu se démerder. Bref. Voilà, voilà. Mais comme je disais hier, avant de mourir dans mon lit, j'ai trouvé... Il y aurait des affaires avec du... Ah, c'était le pont. Ah, c'est beau ça, finesse. Moi, j'avais lundi de férié, parce que c'était la fête du Canada. Mais non, je n'ai pas eu le ponte. Alors, et je crois que j'ai tout expliqué ce qu'on avait. Oui, le fameux Graveview, comme je disais, c'est ce que j'essayais de faire. Ce que j'essayais de faire maintenant. Donc, on peut essayer d'aller récupérer ce fameux Graveview. Je vais essayer de voir si on trouve des trucs. Unity. Parce que. J'ai trouvé un. J'ai jamais vu ça. Des USS Properties. Rien à voir avec les États-Unis. Mais ça semble un peu nouveau. Je vois, c'est le UI Toolkit. Ça, c'est un truc un peu nouveau pour faire des interfaces mieux que le truc à l'ancienne. Et donc, ouais. Apparemment, avec ça, on pourrait faire des choses pas trop mal. Hein. Une espèce de CSS, mais. Je pense, là, du Unity CSS, je présume. Difference from CSS. Ah, bah voilà. Data Netbox Model. Ok, Unity Model. CSS Box Sizing Property. Ok, ah, Flex Layout, ça c'est cool ça. Ça j'aime bien ça. J'aimais bien en HTML, CSS. Layout Engine. Merci. Donc il y a peut-être moyen qu'en fait, ce que je me suis tapé à la mano là il y a 30 secondes, on se le refasse un peu mieux avec ça. Ce que j'ai vu aussi, oui, j'avais oublié, ça c'est nouveau, mais Unity, ils ont un UI Builder. Moi je suis pas un grand fan. Enfin. J'aime bien coder mon truc, moi, parce que les UI Builder, c'est pratique, hein, tu drag and drop des trucs, mais dès que tu veux plus faire ce que... Comment dire, dès que tu veux faire autre chose et que t'as pas la possibilité, bah là, t'es U. Final Dependency. Windows UI Toolkit. Windows. Ah, simple. Ah, un animal, punaise, c'est ça que je voulais, c'est beau ça. Punaise. Il semblait bien que j'avais trouvé ça, juste un temps. Numeric field, voilà, tout ce qu'on peut utiliser dans Unity, c'est ça qu'on veut. Choice field, ah, c'est du classique, list view, il n'y a pas du graph. Styles, ça j'aime, bouton, machin, active focus, tac, tac, tac. Ok, c'est cool, c'est cool. Text fillet box. C'est sympa, ils mettent le code, Dieu, merci. Donc ouais, mais c'est ça aussi qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trois façons différentes de faire de la UI dans Unity. Comme d'hab, ils ont plein de petites... Bon, ce serait de bon ton d'avoir une façon de le faire, et voilà. Mais bon. Mais bon. Petite liste, voilà. Donc, connexion générique système, Unity Process Event, super. Los Coulos. Bon. Donc, revenons sur notre affaire. Hop, Unity. Lex. Ok, j'aime bien ça. USS pour... Ok, CSS. Très bien. C'est vrai que ça, moi, je le faisais... Ça me gêne pas d'avoir un peu de CSS dans mon affaire. Padding, différence, flex layout, positioning... Background color, image, ok, c'est cool. Appearance, Unity Overflow Clipbox. Ah, although the blue screen doesn't have the pack property. Opacity, ok. Style UI with USS, hop.
Visual Element, ok. Voilà, attache, c'est ça qu'on veut. Attacher de l'USS à du visual. Unity Style Sheet, ok. Apply to Vision and only Descendants, I should have reapplied automatically. Asset database resizer. Ok, ok, good, good, good. Ah, ça c'est bien, ça. On peut changer le style on the fly, c'est plutôt cool. Process of style application, style sheet, ok, ok. Alors, you have to kit use the functor to match a visual element with its style rules. It's C# class name. Okay, a name property that's a string, a class list. Okay. Alors, intéressant. Donc, ce qui serait sympatoche. Ce qui serait sympatoche, c'est de récupérer une jolie petite grille, là, à l'ancienne. Hop. Ça, là. On veut ça. Parce que, voilà, comme moi, il gère déjà le zoom-in, zoom-out. Donc, c'est un peu l'idée que... J'aimerais bien que ça, ce soit déjà un truc tout fait, parce que quand j'ai codé le zoom-in, zoom-out, le redessiner par rapport à la taille et tout, bref, c'est quand même un petit délire. Hop, donc, à mon avis, il y a une histoire de GraphView derrière. Hop, est-ce que Unity peut nous en dire plus? Ça s'en va. GraphView. Hop. Qu'est-ce que tu nous en dis, Michael? Rien, nickel. Alors, parce que ce qui m'emmerde, c'est que c'est dans la branche qui s'appelle expérimentale de Unity, donc c'est jamais trop bon signe. GraphGraph, non, GraphView. Unity Create Build Tree using UI Builder, ok, ouais. Review. Expérimental, même change on remove in the future, ouais. Class. C'est vrai que je vois déjà nos nodes. Hop. Ouais, les fameux nodes là. Tac. Transformer ça en visual element et que Unity me gère cette partie. Hop, est-ce que ça nous donne ça déjà? Un milliard de trucs. Mais ça gère les child et tout, ça c'est pas dégueulasse en vrai. This is not dégueulasse. Là, on retrouve de la factory. Hop là. UXML factory. Alors. Déjà, avant de refacto ça, récupérer notre fameuse grille. J'ai vu qu'il y avait aussi du graph view editor window. C'est pareil, c'est aussi de l'expérimental. C'est une editor window, mais qui a des graphes. Je sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas à quoi vraiment elle sert.
Show grab view window with tool. Where T était. Du statique. Ouais. C'est une classe abstraite, donc c'est ça qu'il faut que j'écrive des trucs moi derrière, mais. Extra paint that are specific to the window. Get extra paint type. Du mal à voir là où il s'embarque parce qu'au final il me donne rien de particulier en fait avec ça. For an editor window that contain a grab view. J'ai quand même envie de dire que si j'utilise une grab view, faut que j'utilise ça. Alors c'est vrai qu'après, réfléchis, c'est que un tool de ce type là, sûrement qu'on va vouloir plusieurs. Genre plusieurs tables avec plusieurs graphes. Donc je me dis. Hop. On va commencer par une déjà, ça sera pas mal. Notre ami. Et donc bon, c'est là où, en remettant ce code là, ça crachait malheureusement. Là, si on fait ça, hop, on vient chez nous. Ah, voilà, j'aime pas. Il a pas l'air content. Ah, bah du draw, oui, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Hop. Retrouvons mon petit truc. Sur les internets. Creating connection between nodes, drawing connections, selecting nodes, removing nodes, final touches. Ah, j'ai pas regardé dans mon magnifique tuto. Alors, ça m'énerve ces sites qui te mettent ça sur une tranche de pain là. Est-ce que tu peux utiliser mon écran en fait? Obligé d'aller à la manos dans le CSS. On est où là? On est où? Voilà. Voilà. Que je vois un minimum quelque chose dans cette affaire. Alors. Final touch. Ah ouais, c'est un peu compliqué ce soir. Ce que j'essaye de faire, c'est... Donc c'est pas... comment dire... C'est pas quelque chose directement dans le jeu, mais c'est ce genre de fenêtre-là. Ce genre de fenêtre, une fenêtre outil qui va nous permettre, nous, de travailler avec ce qu'on a fait les épisodes d'avant, qui était le behavior tree. Je sais pas si... ça te parle, bref, mais c'était ça, c'était comment nos IA font des choses, et pour te montrer, c'est basé sur des nœuds qui sont liés ensemble et qui font des affaires. Le seul problème, c'est que là, toute cette logique d'IA, je suis obligé de la faire à la main pour l'instant, ici, là, et c'est vrai que visuellement, déjà, faut, à chaque fois que je change le code, c'est un peu compliqué. Donc là, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un tool où au lieu de moi devoir aller coder vraiment tous les nœuds que je veux un après les autres, bah là on aurait un tool où je pourrais dire hop, mets un nœud là, connecte ces trucs comme ça, tac tac tac, et lancer le jeu, boum, et voilà. Donc on fait un espèce d'outil. C'est pas ultra trivial quand tu commences à faire des jeux, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire en premier, hein. c'est déjà un peu plus complexe, mais très très utile. Hop.
Donc revenons ça à Final Touches. Making a Kind of Draggable. Ça c'est simple, je l'ai fait avant même de le voir. Drawing de Bézier, ça cool, mais on fera pas un Bézier parce que j'aime pas le Bézier. Drawing de Grid, ah bah voilà, ils font ça à l'ancienne, ouais, je vois le délire. Donc ça, regarde, on va récupérer ça. C'est vrai qu'on peut faire ça simple et faire tout à la main, comme des gars à l'ancienne. Ce qui va être très très bien. Je pense qu'on va rester à l'ancienne, parce que moi j'aime bien quand ça marche. Et à l'ancienne, ça marche souvent bien. Draw grid, boum boum boum. Hop, je vais mettre ça sur le side. Hop. Hop. Alors. Ok, ah oui, je vois le délire. Je vois pourquoi ils appellent ça un offset. Hop. Allez, ça dégage pour l'instant. Disons que tout ce que je voulais faire là avec le fameux Graview et tout, c'est sûrement de le faire entre guillemets de façon plus propre. Peut-être Unity a déjà plein de choses. Comme je dis par exemple, si on veut implémenter le zoom, ouf, c'est tout un truc, mais c'est faisable. C'est sûr que, comme d'habitude, est-ce qu'on trouve, on utilise des trucs déjà faits ou on fait le nôtre. J'aime beaucoup faire moi parce qu'au moins je sais ce qui se passe, je sais comment changer des affaires, c'est juste long. Mais là on va aller. Vu que le point intéressant quand même là de ce qu'on est en train de faire, ce serait d'interfacer assez vite avec notre IA. Je vais essayer de prendre la plus simple. Donc si c'est custom, la plus simple, on fait custom. Si utiliser Unity était plus simple, on ferait ça. Hop là, comme on peut voir là, on va rajouter du draw grid. Cool, cool, cool. On a notre fonction. Drag. Alors je fais du copier-coller. Hein. On va étudier ça en détail. Tac tac tac. Donc qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit quand tu processes. Hop, pour l'instant, c'est sûr que c'est très obscur. Mais on va décortiquer ça comme il faut. Hop, mets-moi ça à 0. Nickel. Hop, hop, hop. Un drag, super. Je vais appeler Panning, tiens. Si, je vais l'écrire comme moi, j'écris. Hop, Panning. Bim, bam, boum, Panning. Ok, c'est ce qui me semblait bien. Hop. Pff, honnêtement, je... On va faire. Ah, ok, c'est pour la frame d'après. C'est pour la frame d'après, très bien. Okay. Le Bézier, je m'en fous. À la mano son Bézier. Ah oui, ah non, Handle Draw Bézier, ouais, ok. Je suis pas un fan des curves comme ça, mais bref. Hop, 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 hop. Alors. Drawing the grid. C'est normal que tu sois pas content parce que je l'ai renommé. Hop. Ah lol, merde.
Clac et clac. M7, pourquoi toi pas con? Parce que bien sûr. Hop. Ok, qu'est-ce que ça nous donne ça? Est-ce que Unity explose? Ah bah oh, bah voilà. Ah, c'est pas mal ça! Comme quoi se faire. Alors il y a des. Ça explose un peu, mais. Ah, est-ce que c'est UI Element Default and Destroy? Ah. Est-ce que ça rien? Ah. Des fois, moi je trouve c'est bien de tout faire soi-même, tu vois. Entre faire ça et alors, aller chercher du CSS, du ci, du ça, des. Compliquer la vie. Alors que là, en vrai, bim bam boum. Ça draw. C'est pour ça que j'aime bien faire. Oui. Good. Bah, ça ressemble plus à quelque chose. Voilà, comme ça, si on met des jolis petits nœuds. C'est très sympa. Hop. Cool. Bah, ça ressemble déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est. Comment dire. Comme souvent, quand c'est custom, c'est bien. Mais dès que tu veux changer, bah, en fait, faut refaire. Par exemple, là, dès qu'on, si on voudrait mettre un truc ici, là. Ce serait un peu touchy. Faudra lui dire de pas draw partout. Enfin bref. Comment. Mat position. Position, elle vient d'où position. La position, ça vient de chez nous direct, ça. Ça vient direct de chez nous. Ok. Ouais, voilà. Ça s'est vraiment fait à la main quoi. Mais comme on dit, on va prioriser le. Prioriser le ça marche à le c'est parfait. Handle qui est un drawing in the scene view. Hmm. 3D, ah 3D G8 contrôle, intéressant. 3D. Ah, c'est marrant, j'aurais des petits artefacts. Selon où on est. Interesting. Là par exemple, hop, la ligne n'est pas drôle. Mais en vrai, c'est pas trop grave, ça a déjà une bonne tête. Faisons des connexions. Alors, editor node. Dans le widget. Non, pas dans le widget. Ici, je veux que ce soit normal. Et en vrai, c'est pas au node de savoir comment il doit se draw. Ah, quoique. Ouais. Ça, je vais le changer. Ça, les states, ça va pas être du style, juste du style. Ça va être dans le nœud en tant que tel. Parce qu'en vrai, le nœud a un état. C'est intéressant de savoir dans quel état il est. Hop, boum, nickel, et du coup, lui, il fait ceci, cela, hop, ce drôle-là, il veut du node, du, pardon, editor node, point state, et donc tout ça, hop, je le change par. Hop, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est la UI qui connaît la logique. C'est comme ça que c'est censé être. Nickel. Ce qui permettrait, par exemple, voilà, quand je clique. Ouais. Cool. Draw grid. Bon, c'est bien. Récupérer une petite grid, c'est vrai, c'était vraiment pour le détail la grid, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de passer un milliard de temps dessus non plus. Ok. Alors. Ok. On a un peu l'essentiel, on a un truc qui sait se dessiner une grille tout seul. Bien. Hop, re. Open window. Alors par contre, il y a sûrement, je pense qu'il y a un bug possible si je m'amuse à faire ça pendant 200 ans.
À mon avis, il y a un moment où c'est le bordel. Ah, peut-être que je bloque ça. Bref. Est-ce qu'on peut vraiment aller à le bout de l'univers et faire péter les valeurs. Ok. Qu'est-ce que, ok. Alors, connexion. C'est quoi, hop. Ensemble, hein, hop. Pour les connexions. Je pense de toute façon qu'il va y avoir une liste de connexions ici. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Make not draggable. Creating node, drawing node. Ça, on est good. Ah, et ça me fume les. Ah, les sites internet qui sont pas en full. Donne-moi tout. J'ai du CSS dans mon navigateur. Padding left. Vas-y, zéro, mon grand. Zéro. C'est ça que je veux. C'est rigolo, ce serait exactement comme l'USS qu'on serait en train de faire. Pas de margin. Voilà, c'est ça qu'on veut du plein écran. Voilà. Maintenant, on a un site qui ressemble à quelque chose. C'est dommage, si je le reload, je perds tout ça. Déjà un peu mieux. Alors. Hop. Creating connections between nodes. Ok. Donc, on a nos nœuds. On devrait maintenant les connecter, tout à fait. Et donc au-delà du graphique, il va falloir préparer, parce que là je pense pas qu'il prépare grand chose en termes de framework, mais c'est bien beau de faire des connexions et de faire des dessins, mais derrière il faut que ce soit utile logiquement. Donc on a besoin de connexions in and out, tout à fait. Donc un petit rectangle, ok, ça a un type, ça a un style, ça référence le parent, ok. Ok, je vois, il joue comme ça avec un bouton. Seems legit. Donc, de notre board, nous ici. Hop, on revient à notre code de node. On va créer un nouveau script qui va s'appeler. Ah, c'est marrant, Unity Project Explorer. Ah, j'avais pas vu que j'étais passé là-dessus. C'est très bien, ça. Très sympa. Pipipoupoup. Donc, c'est du connection points. Très bien. Oh, ça rename. Oh là là, mais c'est beau. Mais... Ah, et ça fait le. Ouf, ça fait. Ça, skyline. Good. Tac, tac, tac. Donc. Connection point. Connection class. Ok. Hop, donc on copie et on explique. Oh shit. Copier-coller. Pas copier-coller. C'est mieux. Tac, tac, tac. Et c'est la classe qui m'intéresse. Come to me. Hop. On va renommer ça comme il faut. Ok, parfait. Node, tout ça à mon avis, ça a une tête à devoir être protégé. Un click connection point, ouais.
Ah, c'est ça qui m'emmerde un peu aussi. Ouais, sûrement que je vais pas faire comme lui il a fait parce que c'est rigolo de tout dessiner à la main, mais au final c'est pas très flexible. Ok. Donc regarde, qu'est-ce qu'il nous a mis. Donc oui, ce qu'on va vouloir. Alors, c'est... Follow my lead. Ouh. Oula, vous avez des noms à défi. Je dirais Wengus Oi. Bienvenue à toi. Donc, de ce qu'on disait. Dans notre petite connection, hop, ça j'ai envie de le rentrer dedans. On va appeler ça juste type. Hop là. Parfait. Hop là. Donc une connexion voilà, entre les deux boîtes. Ça a un type. Nickel. À quoi ça nous sert le type? Bah, c'est qu'on connecte pas des carrés sur des ronds, comme on dit. C'est un in dans un out. Plutôt dans un out dans un in. Hop, il y a un style, il y a une référence à son nœud, il y a sa taille, ok. Ah, c'est vrai que tout faire à la mano. Pas 3 minutes. Ouais, sûrement qu'en vrai, ce serait mieux de pas faire à la main. On va voir. Alors, tac, qu'est-ce qu'il nous donne? Là, je veux quoi? Pour créer une connexion. Je veux un nœud de référence, le type, le style. Ça, pareil, le style. Ouais, si je le donnerais là, à la rigueur. Tac. Et une callback. Action, c'est quoi, action? Avec un connection point. Ah. Une action, hop, c'est du système, c'est du C Sharp, ça. C'est, en gros, ça permet de donner une fonction. Et donc là on voit avec un paramètre de type T là. Donc ça va nous dire ok, ça je veux que tu me donnes une fonction qui a un paramètre de type connection point, et bah derrière on va voir, ça va nous permettre nous de l'appeler. Par exemple, si le bouton est appuyé, eh bien appelle cette fameuse callback quoi. Ce qui va être utile parce que justement nous quand quand on va cliquer sur cette fameuse connexion, bah, il va falloir faire des choses, dont par exemple le fait de de dessiner le trait qui est en train d'être fait, ou quand tu relâches après dessus, et bah, justement là, oh, je viens de faire une connexion. En termes logiques, nous derrière, c'est bien beau de dessiner deux boîtes qui sont connectées, mais nous c'est dans le code derrière, il va falloir par exemple que le behavior tree il aille ajouter cette AI action dans l'autre AI action, enfin bref, qu'elle fasse des petites affaires. Et c'est pour ça que c'est là toute la complexité du truc. Pour l'instant, on va dire, ça c'est sympa, mais il n'y a pas vraiment de logique derrière. On fait des boîtes et on les connecte, c'est cool. Mais nous, il va falloir qu'on réfléchisse, ok, j'ai plein de types de classes différentes qui sont des AI actions différentes, comment je les... Comment je les dessine et autres, comment, quand j'en connecte deux, qu'est-ce qui se passe sur notre behavior tree, bref, plein d'aventures. Tac. Et c'est pour ça que le côté du je draw à la mano tous les trucs, c'est sympa, mais en vrai, ça va vite nous retourner dans les fesses. Hop là. Bon, on a une bonne heure et demie, deux heures là-dessus. On devrait arriver à faire des trucs. Hop, et ça à mon avis, ouais, notre node, j'ai pas exposé moi toutes ces affaires parce que normalement les gens ont pas à le savoir. Alors réfléchissons un peu comment on joue ça. Et qui veut absolument le 8, ok, c'est quoi, pour l'instant on va l'exposer vu qu'on est dans cette optique de faire à la mano en attendant de faire ça mieux. Et donc ça va être un rect, hop. Return widget.rect to webs.
Il n'est pas content. Et oui, parce que raté. Sweep, sweep. Le rect, il est private. Non, je vais laisser private. Et là, je vais faire un rect. Rect, get, hop, return, rect, tac. Et pas de setter. Hop là, voilà, comme ça on a juste un petit getter, on est content, la vie est belle, notre point rect, hop, on va juste, pas les majuscules ce monsieur apparemment, hop, tac tac tac, ok, là c'est du connection point, point type, voilà. Mais on est dans Connection Point, donc on s'en fout. Il me semblait bien. Hop, tic-tac-touc, tic-tac-touc. Ah, aïe, 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 le chaos est là. Alors, donc on aurait notre petite classe de boutons. Connection Point, la connexion en tant que telle. Elle a deux boutons, bien sûr. On va rajouter ça. Hop. JavaScript. C'est de là. Je vais arriver. Connection. Ok. Hop. Ah, jeez. Hop. Back. Et. Back. Ah. Pareil, on va faire nos petites affaires. Ah, public. Pourquoi ? Ah, toi aussi. Ouais, beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, ça me... Handles, Drobésier, t'aurais pas autre chose que du Drobésier ? Ouais, Drobésier. Je suis pas fan de Bézier, mais bon. I guess que ça va être ça. Pour l'instant... Je vais sûrement remanier un peu ça, là, parce que j'ai envie de le faire un poil autrement, mais... Alors, les points points. Par défaut, jusqu'à preuve du contraire, on va tout protéger. Hop, ça devient une petite propriété. Sûrement qu'il va en avoir besoin. Ouais, comment dire, pour avoir fait de l'Unreal, vous voyez ce que c'est une courbe de Bézier. Attends, c'est vrai que je balance des courbes de Bézier, mais c'est pour avoir des jolies courbes. Des jolies courbes. Bon, je peux le montrer sur le truc, de toute façon il le montre. Comme vous pouvez voir, tu vois, ça rajoute pas mal d'affaires. Hop, 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 hop. Ah, voilà ça là. Pour, alors là, bon, lol, les courbes de Bézier quand c'est vertical, mais c'est pour avoir un joli. Oup, un truc comme ça avec. Pas un tac, tac, tac. Mais en vrai, moi, je préfère quand c'est ça. Parce que tout à fait. Tout à fait utilisé sous Photoshop. C'est bien beau le Bézier, mais genre. Blueprint Unreal. Quand tu commences voilà, à en avoir 250 des Béziers. Bah là, déjà, on le voit. Là, le mec, là, il a pas le Bézier de base de Unity, de Unreal. Ah, quoique, ça, si. Ah, si. Si, juste, il place bien ses affaires. Mais voilà, moi, je trouve que c'est sympa le Bézier 3 minutes. Mais au bout d'un moment, ça devient vite. Pieuvresque, poulpesque, si je dois dire. Et je préfère quand c'est beaucoup plus structuré. Unreal. Il y a quelqu'un qui vendait ça sur la 700. Unreal Blueprint Connection.
tile straight. Je sais pas si ça va passer ça. Ouais, voilà. Mais ça, je trouve ça quand même beaucoup plus facile à lire dès que tu commences à en avoir plein. Un peu en mode circuit informatique, electronic notes. Voilà, c'est ça, moi, que je veux, moi. Tu peux te permettre des petites courbes sympas, tu vois. Mais bim, bam, boum, structuré, tu vois. Ça qu'on veut, là. Tac. Bref, donc ça, faudra qu'on se le fasse. Bref, pareil, c'est faire un framework. Pour l'instant, on va faire du Bézier, vu qu'Unity me donne du Bézier. Mais... voilà, quand je pense à Béziers, je pense à ça, et j'ai mal. Et aussi, pourquoi les gens me disent « Ah, Unreal !» Non, mais c'est cool, mais moi j'aime bien le code, parce que c'est rigolo de faire du code, mais au bout d'un moment, eh bien, on se remarque que l'avantage du code, c'est que c'est tout sur des lignes, et t'as pas 2600 trucs qui se spaghettify comme jamais. Bref, oh, celle-là, elle est belle, hein, celle-là, voilà. Bref, passons. Hop, revenons. Ce que j'ai. Tac. Pas ça. Toc. Toc. Bref. Donc, Final Touches, on revient. Et là. Ah, et j'ai reloadé la page, donc. On a perdu notre magnifique CSS. Si je... c'est marrant. Ok. Oh, selon le zoom, il te le fait différemment. Ok. Au moins, ça se lit mieux sur le stream. C'est parfait. Drawing connection. Boum, boum, boum. Hop. Donc, les rects. Tac, tac. Hop. Can modify the return value. Ça, c'est géant, indeed. Ah ouais, non, c'est... déjà, maintenir du code, c'est compliqué. Mais alors, si en plus, visuellement, c'est le bordel... ouh, good luck, hein. Ça, ça fait. Ok, tac, 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 connection point, il devrait être bon là-dessus. Jouer un petit bouton. Je vais mettre un O, un 0. Hop. On était à la connexion, donc qu'est-ce qu'on avait? Voilà, il voulait lui, du coup, les boundaries pour pouvoir le faire. Angle cap n'existe pas, c'est-à-dire. Enfin, node. C'est trop zoomé pour moi maintenant, c'est ça qui m'emmerde. Ouais, voilà, moi je. C'est cool, hein, ça, c'est super Blueprint pour prototyper des petits trucs, pim pam poum, c'est sympa. Mais alors, si t'as pas une rigueur, parce qu'il y a des gens qui savent très bien faire des blueprints et bah on a vu quand même, il y avait des spaghettis plus pires que d'autres là. Si t'as pas une rigueur et que ça commence à tirer des trucs partout, après va trouver quel est le lien. Enfin bref, c'est comme partout, faut de la rigueur. Connexion. Handles avec pas rectangle cap. Que ça. Invert if non. Rectangle. Handle cap, sûrement que ça a été renommé. Pour avoir bossé avec ce genre de truc, c'est marrant, mais aussi il y a le fait que c'est bien de donner l'opportunité à des designers, des artistes de coder, mais c'est pas parce que graphiquement c'est plus simple,
que entre guillemets logiquement c'est plus simple, et des fois après tu te retrouves à repasser derrière en disant ah oui mais là ton truc logiquement en fait, que ce soit du code ou pas du code, compliqué quoi. Ah oui, non, c'est pour ça qu'Unreal, très vite, faut vraiment faire gaffe dès le début, faire ça bien. Et après, on peut faire full du code aussi, hein, donc c'est ça où, quand je me mettrai un peu Unreal, j'essaierai de faire du code, mais le framework C++ de Unreal est quand même beaucoup plus lourd que le Unity, donc c'est une autre paire de manches. Ok. Hop. Donc normalement, on a notre petite connexion, drawing connection. Donc maintenant qu'on a les connexions, on doit les connecter, enfin on doit les dessiner, pardon. Ok, donc il y a très peu de... Oui, c'est, quand c'est ton fichier, ça va, quand tu dois arriver derrière. Ouh, define de... Ok, donc là déjà, en fait, on rentre dans du... On va suivre le tutoriel quand même pour vraiment aller voir tout. Mais après, nous, il va falloir vraiment qu'on repasse dessus pour faire ce qu'on veut, nous, quoi. Tac. Et oui, notre éditeur, bien sûr, il va falloir faire pas mal d'affaires. Avec du style, ouais. Donc là, on va pas mal dévier après. Ok, faisons, comme on dit, suivons la recette, et après on fera des petites nouveautés. Ça, ça dégage, ça on va se garder sous le coude, ça s'en va, Editor Node. Donc en effet, notre brave Node maintenant va se voir récupérer bon, des connexions. Comme je dis, pour, c'est que moi, mes nodes vont pas tous avoir une entrée, une sortie. Par exemple, les nœuds, les leafs qu'on appelle dans le behavior tree, elles ont que une entrée, elles n'ont pas de sortie vu qu'elles n'ont pas à se connecter à quelqu'un d'autre. Bref, on va avoir à gérer aussi la, je vais arriver, les séquences. C'est des nœuds avec des où on peut ajouter des connexions. Donc, il va falloir faire pas mal d'affaires, quoi. Tac. Connection point. Ah, pourquoi je ne suis pas dans notre base d'éditeur. Je peux savoir. Using Skyline dans un framework. Ah. J'ai appelé ça framework. Notre base d'éditeur. Ah, ça y est, je commence à pas mettre les. Allez, ça. Notre éditeur framework. Hop. Petit renommage généralisé. Hop. Ça, je veux que ça s'appelle engine.sa sbip. Le multiplexeur. En lisant vite, j'ai cru la création du multivers. J'ai presque. Hop. Tac. Ça devrait être meilleur. En arrière. Hop, c'est mieux. Ah zut, j'ai cassé des choses. Node editor, node base. Non, c'est... ah mais d'accord, c'est parce que ça c'est node editor, editor node, editor node point states. Ah non, pardon. Ok, c'est ça. C'est bon. C'est ça. Ouais. Styles, parce que je voulais ranger mes styles quelque part. C'est qu'ici. C'est ici qu'on les range. Hop, voilà. Un peu de renaming, histoire de tout valdinguer partout. Hop. Cool. Est-ce que ça compiloche? Oh, ça compile. Énorme. Nickel. Ok. Donc maintenant, nos fameux petits ping.
Ils sont là. Ils ont du in, du out. Donc en vrai, quand il y a du draw... Ça me fume les gens qui mettent pas de trucs pour distinguer ce que c'est. Parce que tu te retrouves avec... est-ce que c'est du... Est-ce que ça vient de dedans, ça vient de dehors, mais où va Tom? Je vous le demande. Voilà, pam pam pam, on draw tout le monde. Ok. Ok, ok, process event. Draw, ouais, il sait faire ses draws. Ok, ok. Ça, comme il disait, le gros changement. Eh, ça m'énerve ce CSS. Y'a pas moyen de dire bloc ce CSS forever? Article. Hop. Zéro. J'ai acheté un écran grand, mais moi, surtout mon écran, merci bien. C'est mieux quand même, là. Ah, ces gens du web. Alors, boum, boum, boum. Drawing connection, tac, 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 c'est fait. Quand on fait un node, new connection, this, in, style. Gros big up à tous les gens du web. Ah, gros crash. Terrible, ça. J'avais oublié qu'il donnait 1 milliard de trucs dans son node à lui. Ouf. Là. Mm-hmm. Alors, un clicking point. Alors, ouais, chaque chose en son temps. Donc ça, c'est du connection type point type. Pourquoi toi pas connaître? Parce que c'est ça. Hop. Yes sir. Le petit point, hop. Ça, les styles. Les styles, styles, styles. Eh bien, ça va être du node editor. Ah, ça reste encore ça? Non, mais ça, c'est la classe. C'est la classe. Editor framework point styles point in connection style, voilà c'est ça, ça n'existe pas bien entendu. Hop, out ça, hop. Hop. Hop, voilà. Et voilà. Tac, tac, tac. On a plein de choses cool. Hop, get internal set, super. Et on va voir que ça, c'est du... connection style.
Zwip. Bonne nuit. Hop là. Hop. Tac. Hop, hop, hop. Ok, cool, 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 j'ai vu style. Ah, quoique. Au hasard. Hop. On verra ce que ça donne. Purement au hasard. Ok. Nickel, ça c'est du détail, c'est du style. On fiche un peu. Donc on a notre truc qui est setup. C'est nos points, ça c'est nos connexions elles-mêmes, elles ont deux points et une action que quand ça remove. Ok, ça compile je présume. Ouf. Ah. Ok, donc on voit que c'est un peu dégueu, mais c'est là. Très, on va enlever le texte comme d'habitude. C'est pas une bonne idée. Tant que c'est pas bien fait. Hop, je vais revenir sur les styles. Ça s'affiche, c'est là, c'est là. C'est juste que là, justement, vu qu'on gère tout à la main, bah, tant que c'est pas bien. Tant que c'est pas bien fait, c'est un peu le caca. Get style. Mm-hmm. C'est vraiment une histoire de taille, mais pas de soucis. Ouais, ça c'est tout petit, ça. Hop, déjà là, ça sera un peu mieux. Généralement, tu sais quoi, on va le mettre grande comme ça. Pour l'instant, c'est la fille. Enfin, voir la tête que ça. Voilà, là c'est grand, là. Hop là, notre in, notre out. Quoi, on va même mettre ça carré tant qu'à faire. Hop, un in, un out, c'est cool. Donc là, comme je dis, pour l'instant on suit le tuto, hein, on a dit, et puis une fois qu'on a bien vu passer à travers tout, là on va aller chercher notre truc à nous, quoi. Ok, donc j'ai ça, et comme on a dit, il va y avoir pas mal de, comme on peut voir, de changement du côté de l'éditeur lui-même, parce que forcément, maintenant, il va falloir gérer, ah, je clique, je connecte, patati patata. Notre base editor, donc déjà, voilà, ça, ce qu'on récupère, c'est sûr et certain. On a une jolie liste. Je la mets protected, parce que vu que nous, on va hériter de ça pour faire nos affaires, forcément, il va nous falloir. C'est pas plus mal de changer les noms, parce que comme ça, même si tu copies colle, t'es obligé de revenir et fixer entre guillemets l'orthographe, mais au moins ça te force à le lire, c'est pas si mal. Donc voilà, les styles on s'en fiche, ça c'est déjà fait. Alors ça, je vois pourquoi à mon avis on l'utilise, c'est, on va devoir garder une référence. Ah, une fois qu'on va avoir cliqué, ah, c'est lequel in qu'on a, c'est lequel out qu'on a. Voilà, ça c'est sûr, c'est là pour ça. Ça, je me demande, mais je pense que j'en ai pas forcément. Ouais. Ça, je le mets private parce que justement, bah, c'est la partie vraiment editor qui, que ce soit à mon avis un dialogue ou un quest editor ou un AI behavior, il n'est pas censé s'occuper de comment on dessine les affaires. Donc, c'est pour ça que je le mets private par rapport à ça, qui d'ailleurs pourrait être utile ailleurs. Ok, donc on voit que là, il fait du style. Ça, c'est cool, on en a pas besoin. Ça, bien sûr, draw connection, on va en avoir besoin.
après les notes, parce que devant les notes, c'est un peu moins joli. Bien sûr, ça n'existe pas, donc hop, on la génère. On va la mettre gentiment à sa place. Voilà. Draw connection. Alors ça, c'est drôle, parce que ouais, lui fait ça comme ça. Moi, je préfère faire ça comme ça. Autant pas checker des nuls pour rien. On les fait. Et donc là, c'est tout, tout bête. Rien de dingue. On prend toutes nos connexions et on va les dessiner. Hop. Ça va vite, hein, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Voilà, on rentre dans l'affaire un peu plus. Le node. Ah, c'est notre fonction de la grille, on s'en fout. C'est là que ça va y avoir des soucis, non? Bon, ça, il va pas être content. Si. Ah oui, non, parce que c'est moi qui le set comme un grand garçon. Unclick. Eh oui, 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 c'est ce qui me semblait. C'est que ça vient pas d'ici, bien sûr. Ça vient pas d'ici. Alors déjà, je suis en train de réfléchir à ce que nous, on va devoir faire derrière. Ça va être... architecturalement, il va falloir qu'on repasse dessus pas mal. Hop. Ah. Là, il y a un extra layer par rapport à ce qui est dans le tuto, parce que j'ai fait la factory, j'ai fait des affaires. Donc, c'est normal. Hop, on va ajouter les paramètres. Il m'a fait des paramètres dégueulasses. Il m'a fait ça. 10 coulasses. Alors. Ouais, je jump un peu partout. Hop. Non, qu'est-ce que je veux, moi? Voilà, je veux du action. Ça. Hop. Mais comme je dis, il va falloir qu'on réfléchisse après. Pour l'instant, on réfléchit pas. Ah, pourquoi je fais ça? Voilà, ça, c'est un style. Ça, c'est pas... T'es pas obligé de le faire, mais moi, bah, au tout début, je pense que je m'étais pas. Après, je me suis, c'est vrai que pendant mon premier stage, on m'a dit, en vrai, c'est sympa de faire la distinction, parce que un truc tout bête, quand t'es en train de coder, bah en Java, tu peux faire this point et t'as tes affaires. En C++, bon, t'as pas, enfin, si t'as le this, mais on l'utilise pas. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu vois, en faisant ça, ou du coup aime ça, bah là, boum. Ton IDE, il te donne forcément que les variables qui t'intéressent, parce que là, t'es ok, je veux les variables de mon objet. Extraordinaire. Pour lire, tu vois, parce que comme je dis, quand t'as une grosse fonction et que t'as un truc qui s'appelle, je sais pas, time, tu fais ok, est-ce que c'est un time qui est dans la fonction, qui est déclaré juste un peu avant, est-ce que c'est un truc de mon objet que je devrais faire attention, enfin bref, mille raisons pour mettre le M. Très intéressant, quoi. Et tu verras, normalement, il y a aussi MS underscore pour des membres statiques. Quand tu as un statique que tout le monde utilise, tu fais un MS en général. Il y a des gens qui vont même plus loin, ils vont même mettre P, mais là, je trouve c'est un peu trop mettre de... Tu pourrais, hein, mais c'est... Bon, je décide, enfin, il n'y a pas que moi, hein, à Ubi, on ne met pas le P non plus. Mais il y en a qui font carrément, voilà, tous les paramètres, c'est P underscore, comme ça, vraiment, tu sais quoi et quoi, G pour les global underscore, bon. Je pense que M underscore, c'est bien. G pour global, why not? Parce qu'en vrai, ça sort un peu de nulle part, ça aussi. S pour statique, cool. Le P, j'irai pas jusqu'à mettre là, parce que si t'as besoin de gérer plus de 3, 4, 5 paramètres, c'est sûrement que ta fonction a un petit souci. Donc bref. Voili, voilou. Hop, on clique. Out.
Voilà, c'est ça qu'on veut. Hop, ça. Tac, tac, tac. Donc, ça en est bueno. Ouais, la factory, du coup, va demander ça. Donc, c'est sûr que ça remonte pas mal de call dans ça. Mais, c'est... Hop, obligatoire. Ce voilà, pareil, tu vois, là, je mets on click. Il me donne 1 milliard de trucs. Si je mettais P underscore, forcément, il me sortirait avec les trucs du haut, donc... Ça pourrait se défendre. Je trouve que c'est un peu trop, mais ça pourrait totalement se défendre aussi. Pop. Et donc on revient à notre éditeur. Voilà, là on est. On a ce qu'il faut. Donc parce que justement, il faut que l'éditeur il sache quand on vient de finir de cliquer sur des. Quand on a cliqué sur des. Je suis à peu près sûr que. Voilà, il donne un connection point, donc ça va être de l'enregistrer, parce que nous, c'est quoi là? C'est bien des connection points, donc sans lire, je suis à peu près sûr que c'est genre selected point in égale genre ça et out égale ça. Avec check, on va checker sûrement le type avant de faire. Regardons ça. On click in. Ah bah même pas, parce que on sait déjà que c'est du in, je suis bête. Donc tu vois, hop. Comme prévu. Hop. On va tout copier, je vais faire un rename. Hop. Tac, le out. Hop, et c'est à peu près la même chose. On va juste se faire le petit plaisir de renommer ça. Hop, voilà, 4 occurrences. Pareil pour le in. Whip, 3 occurrences. Ah, on voit que là il y a plein de fonctions qu'on va devoir les taper après. Hop, on va se les mettre. On la génère. Ah non, c'est juste 2. Clear. Ouais, bah voilà. Node. Node. Pion. Alors, ça devient ça. Ça devient public. Ça devient get private set, c'est ça qu'on veut. Hop, hop. Voilou, hop. Click connection on click connection point. Boom, revenons à notre base d'éditeur. Hop. X. Ouais. Alors, lisons ça pour qu'on soit sûr que tout est comme on le souhaite. Donc quand on clique un in, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le in? Eh ben on va dire tiens c'est ce in là qui est sélectionné. Si on avait un out qui était différent, qu'est-ce qu'on fait le node? Si c'est pas le même node, ah voilà, bah si on avait déjà un out qui était sélectionné et qu'on clique sur un in, c'est pour pouvoir connecter des deux côtés quoi. T'es pas obligé de faire in. Il y avait un logiciel qui était horrible comme ça. Tu pouvais vraiment faire que in out. Si tu faisais out in, non il connectait pas. C'était pas possible. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, ne fais pas la connexion out. Mmh.
Donc c'est ça. Si tu as déjà un out qui était sélectionné, si c'est pas le même, parce que tu n'as pas envie de coller un in sur un out, sinon ça fait l'infini. On va créer la connexion et on clear connection selection. Ok. Sinon, on clear. Si c'est le même, on clear la connexion sélection. Ce qui est logique parce que je présume que clear connection sélection, c'est. Voilà, c'est exactement ça. Ça redevient nul. Whip. D'ailleurs, on pourrait se permettre d'être propre, même si c'est redondant. On l'a fait au-dessus. Voilà. Et le clear connection selection. Oh non, mince. Et de... Hop, vu que je l'ai fait l'un après l'autre. Hop. Create connection, je présume là c'est. Hop. Create connection. Alors nous on n'a pas exactement la même chose parce que on a fait ça propre. Pour une fois que je peux dire ça. On a directement. On a directement ça. Une nouvelle connexion entre selected. Selected in et selected out avec un onClick. Ça, ça n'existe pas. Hop, et eh bien je la fais. Donc pourquoi on a une petite callback, c'est que justement si on clique. Si on demande à la connexion de disparaître, eh bien, on va vouloir ici faire en sorte que c'est cleané. Donc, cleané, hop. Voilà. Boum, boum, boum. Manque un point virgule ici, hop. Et normalement, tout connecte. Allez, regardons ce que ça nous donne. Ça compile, hop. Hop. Non, je sais, parce qu'il me semblait bien, on a oublié un petit truc. Je me disais, je le savais déjà avant de partir. On n'a pas les events, on n'a pas géré les events. On n'a pas géré les events. Draw connections. Alors, hop, il manque un click on point. Connection point, ouais. Il y a du bouton. C'est la connexion. Ah, c'est si tu cliques dessus. Je vais te voir où il est. Où est-ce qu'il l'a mis son truc lui? Enlever la connexion. Ah, il l'a mis au milieu. Ok, il y a un petit bouton au milieu pour enlever la connexion. Why not? Ah, l'erreur. L'erreur du débutant. J'ai flingué mon CSS. Réfléchissons. C'est dans le connection point qu'il doit y avoir de quoi. Connection point.
Il y a peut-être sûrement pas tout qui est fait. Connect creation between nodes. On clique. Ah, c'est ça. Là, ok. Bon, j'ai envie de dire, ce check est un peu inutile vu que c'est censé initialiser avec de quoi. Sinon, il y a un problème. On click connection point. Connection point, ok. Le node. Connection point. On clicking point. Et on le passe, on le passe. Et on le passe de lui. Hop. Est-ce que c'était que une histoire de. Une histoire que j'avais pas sauvegardé comme un bonnet. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était pas une histoire de drag, c'était ok. On a fait un. Ok, nice. Hop, hop. Bah voilà, on commence à avoir des nodes. Sympatoche, hein, petite couleur. Petite couleur irlandaise. Sympatoche, sympatoche. Hop. Hop. Donc voilà, là, il n'y a aucune limite. On peut connecter l'univers sur l'univers. On peut faire n'importe quoi. Donc c'est là où il va falloir aller mettre du. Des restrictions. Sinon, voilà, là, on commence tout de suite à aller Spider-Maniser l'univers. Voilà, les bons nodes, comme on aime. Bref, mais c'est cool, c'est cool. Hop. Donc ça marche que si on clique sur le petit tag. C'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal. Unreal, c'est, alors, Unreal, c'est fort parce que eux, carrément, leur bézier, là, tu peux cliquer dessus pour créer un point. Et donc, ça crée un point dans ton bézier en plus. Enfin, bref, c'est. Là, c'est un niveau de feature un peu plus haut. Hop. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est. Comment dire c'est quand tu cliques, tu gardes enfoncé. Et là, ça fait un trait de toi jusqu'à ce node-là. Et tu lâches sur l'autre node. Et ça marche. C'est pas comme ça que c'est fait. Donc, on va aller changer ça. Mais on a un petit truc, on a un petit truc. Ça avance, c'est cool. Hop, hop, hop. Bon, je vois. Et dans. Gros 30 minutes, on va dire. Faudrait que je me prépare après. Mais c'est cool. Et après, comme on a vu, la façon dont on dessine les choses, je vais essayer de voir parce que c'est vrai que le faire à la main, c'est rigolo. Mais sûrement que c'est trop fait à la main pour être flexible. Là, vu qu'après, on va avoir des nœuds où justement, il va nous falloir les mettre en haut, en bas. Ce sera quand même beaucoup plus pratique si on a le framework de UI de Unity. Hop. Mais c'est bien, c'est bien. Regardons qu'est-ce qu'il nous propose d'autre. Drawing connection, ça c'est stylé. Sélectionner des nœuds. On devrait faire un feedback. Ah bah voilà, j'avais préparé un peu ça. Quand le user clique sur un nœud et qu'il voudrait voir lequel est sélectionné, très bien. Quand on veut remove un nœud, c'est vrai que pour l'instant, il y a. C'est vrai qu'on peut implémenter ça. Parfait, parfait. Mm-hmm. Ok. Alors, je regarde un peu comment ils font eux. Ils selected. Removing node, qu'est-ce qu'ils font? Un remove node. Ils rajoutent un petit bouton pour s'enlever, ouais. Mm-hmm. On clique remove node. Tu vas aller dans toutes les connexions, checker est-ce que tu as des connexions avec lui, le classique. Bézier. Ah, c'est ça. Bézier from selected connection point to the mouse position. Draggable Canva. Donc on a déjà les deux. Le petit bézier, c'est ce que je disais, on pourrait se faire ça.
On a un beau petit framework de départ. Hop. On va se faire ça. Je vais pas trop regarder parce que je vois à peu près ce que j'ai envie de faire. Cool, cool, cool. Ok. Alors dans les styles. Organise juste hop un petit peu mes affaires. Alors hop là, normalement on a changé la couleur des nodes. Tac, voilà, j'ai mis ça en bleu. Intéressant, intéressant. Revenons sur nos connection points. Comment il les faisait en draw? Ton rect Y, ton rect X, si c'est un in. Je vais enlever le ça. Qu'est-ce que ça. Là, c'est vraiment un peu à la main. Là, on tweak ça. Hop. Voilà, comme je dis, de toute façon, les nœuds comme ça, c'est pas ce qu'il nous faudrait. Nous, en vrai, ce serait du dessus-dessous, vu qu'on va faire un tree. On va déjà partir, on va dire, dans la perspective du tree, vu que c'est ça qu'on veut, nous. Alors, c'est là où il va falloir recalculer des petites affaires. Donc, ça devient l'inverse. Le X, c'est le même. Le X, ça devient le Y. Hop. Ah. Et par contre, c'est notre Y qui change. Ah là, bah de toute façon, le. Là, disons que on rentre dans après le design, le style, quoi. C'est plus une question technique, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut, à quoi ça doit ressembler, voilà. Bon, comme je dis, je vais les mettre les nœuds, les connexions l'une sur l'autre, vu que c'est un peu ça, c'est à ça que va ressembler notre. Notre behavior tree. En général, on le fait du haut vers le bas. Ok, et donc le in, ça va être mon rect Y. Ça va être le même. On va voir, ça donne quoi ça déjà? Pour le lols. Hop, voilà déjà. Tac. Why not root. Et après, voilà, on va. Hop. C'est pareil, là, le bézier, on voit qu'il part sur le vertical. Faudrait qu'il parte sur l'horizon. Enfin, plutôt, il part sur l'horizontal, on voudrait qu'il parte sur la verticale. Donc là, c'est purement du style, quoi. Ok. Je vais peut-être pas trop tweaker en termes de design, parce que vu que je vais peut-être repasser sur la UI, ça va sûrement peut-être changer ça. Donc on va pas trop passer de temps là-dessus, plus sur les fonctionnalités. Donc comme on a dit, on voulait un petit bézier sur la souris, et j'aimerais que ce soit sur le drag et pas sur le... Donc là on va aller dans notre editor, base d'editor, connection, create connection... Hop. Là. Donc, la fameuse courbe qu'on voulait, ça. Donc draw les connections. Par-dessus, draw celle-là. Ok.
Ça. Quand t'as plusieurs booléens pour savoir si t'es en train de faire un truc ou pas, ça sent le petit state, mais bon, on va rester state. Non, bon, on va pas arrêter dans state, fuck it. Parce que justement là, vu qu'il y a plusieurs comportements, bah on reprend, on refait un petit design pattern state là. C'est toujours sympathique. Il va rester simple, on va pas être trop loin, mais normal, panning et être en mode connection creation. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tac, ça, ça dégage. Ah, donc. State de notre editor. Ok. Pour la mouth position. Ah ouais, j'ai. Ensemble. Hop. Ça, ça sert juste à faire joli. Hop, pour pouvoir faire clouk, fermer ça. Close. Permet d'organiser un peu nos affaires. Ah, j'ai pas demandé ce que j'avais des problèmes de son. Voilà. Je vais regarder ça. Hop. Je pense que non. Yes, j'ai de la chance, non. Alors, le panning. Le panning est pas bon. C'est ça, c'est-à-dire que le state, on veut qu'il soit state.panning. Ça, ça devient du. Hop là, je vais arriver. Du state point normal. Et là, on demande est-ce qu'on est en train de panning? Yes, boum, bam, boum. Virgule. Parfait. Donc, on processe les events. Mm-hmm. Ah, oui, bah écoute. De toute façon, j'avais pas rajouté un milliard de trucs. Je vais essayer de bosser pour le. Comment dire? Je vais essayer de voir cette affaire du UI pour aller pas le faire à la main. Mais voilà, dans l'idée, on a vu un peu déjà une jolie partie. Donc je vais finir 2-3 petites affaires. Et puis, prochaine fois, sûrement que là, on va commencer à réfléchir comment, maintenant qu'on a un peu ça, là, ce début de framework, comment. Boum, on implémente notre truc à nous avec quoi. Mais voilà, bonne nuit en tout cas. Je vais faire encore 2-3 petits trucs. Et puis, moi aussi, je m'arrêterai. Ah, ça va être classe, mais surtout très utile. On verra pour tester de l'IA. Pff, ça va vraiment être cool. J'essaierai de faire en sorte de. Si on crée des nouveaux nodes, automatiquement, ça ira créer son node. Enfin bref, des trucs cool, quoi. Bonne nuit, soirée. Bonne nuit, bonne soirée. Alors. On clique.
points. Pardon, mais ça d'ailleurs, je vais appeler ça des portes parce que. Point en point, super. L'artiste. Hop. Voilà. Donc là, on a flingué des classes. Il n'y a pas de souci. Collection. Est-ce qu'il renomme la classe comme un grand ou pas? Classe, c'est fou ça. C'est monstrueux. Hop là, t'es un peu grand toi. Hop, prenez-moi ça, tout ça. En l'occurrence, j'espère que c'était les bonnes. Oui. Connection port. Ok. Hop. Ça, on peut dire merci. Alors, pop, on a changé le port. Connection port. Yel. Tornode. Ok. Ok. La factory, je pense qu'on peut la fermer. Connection creation. Oh shit, c'est nouveau ça. Ah oui, c'est nouveau. C'est ce que je viens de faire, je suis bête. Ce state là de connexion création. Donc si le state, on est en connection creation. C'est à dire qu'il faut draw le fameux bézier. C'est dans quoi ça? C'est dans le connection qui fait le bézier. Handles draw bézier. Quoi, y a quoi d'autre comme draw? AA polyline, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est, hein, c'est pas mal ça. Dot line, oh nice. Solide polyline, ouais. Pas mal ça, ça c'est pas mal ça. Circle anal cap disc. Wired cube, oh shit, ouais, tu peux aller loin. Free move handle. On va rester sur du bézier vu qu'on a commencé avec du bézier. Donc, ok, c'est là où ça devient un peu plus. Donc, si on a.
On fait un truc un peu énorme, mais... Hop, on va aller récupérer notre start. Alors ça va quoi? Start position, end position, start tangente, end tangente. Oh shit, ok. Être start end intéressant. 55. Hop. Allez, ça va être du start. End. Color white. Ah. Cyan, j'aime bien. Nul, pourquoi nul? Pas de texture. 2, mettons 3, soyons fous. Ok. J'aime. Non, en vrai, c'est juste du draw. Je pensais faire autre chose que du draw, mais. Il va pas être charré là-dedans. Ok. Fermer. On peut fermer. Ah merde non. Parce que le N ça va être plus là. Event point off. Current. Off position. On va voir comment ça donne. Hein. Qu'est-ce que ça look cette affaire? Alors, juste faut que je passe en mode création. Et pour ça. Pour ça, click import. Donc, s'il n'y a pas de out déjà, ça veut dire qu'on n'était pas en train. C'est la première fois qu'on fait ça, donc faut qu'on passe en state connection creation, good. Et ça va être à peu près pareil sur l'autre. Outport. Où est-ce qu'il est mon clic? Bon, il est là, il est bien bas ce brave.
combat. Hop. Et une fois que t'as fait ça. Clear connection selection. Et ça, ça veut dire. Hop. Notre state redevient normal. Hop. Et regardons cette affaire, ça devrait être pas dégueulasse. Hop, hop. Lol, je le laisse là. Ah, c'est... Ok, oui. Oui. Oui, c'est que j'ai pas fait les choses sur les mêmes... Alors... Board, c'est là. Alors, ça start panning. Alors... Click in ou click out. Intéressant. Ça devrait être draw tout le temps. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui set le state. Ça. Alors, panning moves down. Ah, c'est ça qui vient nous mettre dans le. Dans le jus. Hop. Si on était en panning, hop, on ne l'est plus. Voilà, sinon, on reste dans l'état où on était. Ce qui est fort utile, étant donné que... Bon, ouais. Ah, je dois passer à normal. Oh. Ah. Ok, l'update, c'est l'update du truc qui est pas... Intéressant. Est-ce que quand je m'arrête, qu'il refait ? Ok. Hop, un peu de débuy, ça faisait longtemps. Oh.
Ah mais non, c'est juste qu'il n'y a pas l'update qui est fait. Ah, parce que, ok. Ça va pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de repaint, c'est parce que la UI n'est pas changed. Intéressant. Panne, on panne. Est là. Si on lui dit qu'on l'utilise pas, peut-être qu'il se dit oh. Non. Comment on lui demande? Faut que je lui demande de repaint. Et repaint pas à chaque fois. Par contre, c'est repaint quand ça bouge. Il repaint quand ça bouge parce que j'ai 8 change. Très bien, donc c'est juste. Hop là, il faut un petit repaint à chaque fois. En avant. Hop. Aïeul. Fou de moi, monsieur. Et c'est ça. Qu'est-ce que... Ah non, pourtant c'est bien du ici que j'aurais envie de le mettre. Je vais en finir par un peu de débris. Hop. Ok. Pourquoi j'ai pas un mouth drag? Un mouth drag. Un bon mouth drag. Bonne question ça. Bonne question. Ce qui se passe, hein. Ah.
Intéressant. Nul. Ah, c'est peut-être ça qui est problématique, 212. Étonnant, sûrement que déjà il faudrait lui que je l'initialise à normal pour que ce soit pas le bousin. Pourquoi j'ai un 212? Ah, 212. Ah, le classique. Et on va tout de suite faire un autre truc très classique. Mettre un setter de state parce que c'est le bordel. Comme ça, on va pouvoir traquer qui change notre ami le state. Hop, maintenant tac, parfait. Allez hop. Belle trace. YOLO, YOLO, YOLO. Comment ça se fait qu'il passe là-dedans, lui? Montre-moi pas les erreurs, s'il te plaît. State il est bloqué, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense de sérialisation du truc
Ah, ok. Ah. Ok. Ah, joli. Hop. 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 Ok. Hop. Déjà. Alors, on commence à avoir beaucoup de states, c'est rigolo, mais pas tant. Hop. Ouais, pas mal de petites retouches à faire
sur le code, parce que là, voilà, dès que tu commences à faire des trucs un peu complexes, forcément, faut gérer plein de petits cas. Hop. Pas le repaint, mais au moins... C'est ça, pourquoi j'ai pas le repaint? Moment que ça sent, je suis là. C'est là qui est pas updaté. Ça. Ah, a tout cassé. Que se passe-t-il? Ouais, le classique. Le classique. Ça, c'est le problème de salisation vu que c'est... Ça, ça va nous sauver les biches. Hop, parce que dès que tu quittes, ça le laisse dans un état. Il sait pas ce qui se passe, il revient, c'est l'enfer. Normalement, ça, ça va nous aider, ça. Hop là. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Que ça ne marche pas comme ça. Par contre, je suis perplexe. Perplexe parce que là, on est censé passer dedans. J'avoue, j'avais pas content. Mais pourquoi? Si je fais ça, pourquoi là... Interesting.
Use. Faut que je use. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi le panning fait ce qu'il faut?
D'accord. Il n'y a pas d'event. Parce que ça va pas être du mouth dragging, ça va être du mouth. Est-ce qu'on a mouth overing? Mouth overing, mouse. Down, move. Move, c'est ça que je veux, monsieur. Alors. Problème à régler. Hop. Pardon, je me disais, t'es pas content. Je te break. Voilà. Hop, ce n'est pas du drag, c'est du move. Et maintenant, tout le monde est heureux. Tac. Voilà. Hop, ça va être plus sympathique. Vérification. Ah. Je me fais eu. Pas de mouth move non plus. Ah bah. Intéressant ça. What? Reçoit pas de mouse move. Editor view only. For editor window which have. Ah! D'accord. Ok. Parce que ici. Window. Point. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Voilà, ça a mieux marché. Voilà, c'est ça qu'on veut. Nickel. Ça c'est simple, clear. Hop. Point. Change. Hop là, voilà. Tac. Et ben on a ce qu'on voulait. Hop. Lol.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Perdu la note. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il m'a. Est-ce que c'est ce que je pense? Hop, tac. Maintenant, on va le mettre sur le drag. Ah, mais le bête. Le bonnet que je suis. Je voulais faire sur le drag à la base, ça sert à rien de tout. 200 merdoyer. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Hop. Nickel. Hop. Down. Hop. Ah non, merde, c'est pas là que je le veux. C'était... Node... Ah oui, je vois le problème. C'est que le bouton doit absorber le... Ah oui, c'est sur le up ici. Fâcheux. Mais je vois. On peut le laisser sur ce qu'on avait dit. Ça fera l'affaire pour ce soir. Hop. Donc il faut qu'on remette. Hop, mouillon. Lac. Détruisent parce qu'il nous en faut une nouvelle. Hop, hop. Allez, on va se dire au revoir là-dessus. 20h, c'est parfait. On a un joli petit début. On va rebosser ça et ça va être bien cool. Merci d'avoir suivi et puis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.